Un acteur. C'est difficile à dire. Ouais, ouais, je suis acteur. Je vais vous montrer quelque chose, ça vous donnera une idée de ce que c'est que le théâtre. Les jeunes étudiants chinois avaient manifesté devant la tombe de Staline à Moscou. Et naturellement, les policiers russes leur avaient foutu sur la gueule et les avaient matraqués. Et le lendemain, en signe de protestation, les étudiants chinois s'étaient réunis à l'ambassade de Chine et avaient convoqué tous les journalistes de la presse occidentale. Des gens comme Life ou François ou comme ça. Et il y a un jeune chinois qui est arrivé. Avec le visage entièrement recouvert de bandages et de pansements. Et il s'est mis à gueuler. Regardez ce qu'ils m'ont fait! Regardez ce que j'ai! Regardez ce que j'ai! Regardez ce qu'ils m'ont fait, ces salauds de révisionnistes! Alors tous ces moustiques de la presse occidentale se sont précipités autour de lui et ont commencé à le mitrailler avec leurs flashs pendant qu'il était en train d'enlever ses bandages. Et il s'attendait à voir son visage complètement lacéré ou couvert de sang ou plein de choses comme ça. Et lui, il enlevait ses bandages comme ça, tout doucement, pendant que les autres le photographiaient. Et ils les enlevaient, et à ce moment-là, ils se sont aperçus qu'il avait rien du tout sur le visage. Alors naturellement, les journalistes se sont mis à gueuler. Mais qu'est-ce que c'est que ces Chinois? Ils sont tous des fumistes, sont tous des comiques, qu'est-ce que ça veut dire? Et pas du tout, ils avaient rien compris du tout. Non, ils n'avaient pas compris que c'était du théâtre, du vrai théâtre. Une réflexion sur la réalité. Je veux dire, quelque chose comme Brecht ou bien Shakespeare, quoi.